La marche dans le désert. Et quand nous parlons de cette marche, quand on entend déjà la marche dans le désert, et avec le verset de base, nous pensons et nous voyons directement au peuple d'Israël qui a été en Égypte. Alléluia! C'est à lui qu'on pense directement. Alors, nous allons entrer dedans. Nous allons voir ce que le Seigneur nous réserve. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce peuple d'Israël, qui est la postérité d'Abraham, puisque Dieu a choisi Abraham, il lui a dit de sortir du pays de sa naissance, de la maison de son père, et va lui donner un endroit, va lui donner un pays, là où lui, il désire le Seigneur. Et Abraham a quitté la maison de son père, a pris la route, selon les indications que le Seigneur lui donnait. Le Seigneur a donné à Abraham une promesse, celle-ci que sa postérité va lui donner une postérité et que toutes les nations seront bénies en sa postérité. Abraham, dans sa vieillesse, a engendré Isaac, Jacob. Et c'est ce Jacob qui a engendré les 12 princes, les 12 tribus d'Israël, de Léa, Rachel, Zilpa et Bila, les servantes de cette femme. Alors, ce peuple, Jacob, était au pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Et puisque il avait 12 fils, Joseph, que nous savons bien, qui avait eu des songes, et en racontait à son père. Et ce qu'il faisait ne plaisait point à ses frères. Alors il fut un jour, son père Jacob a envoyé, son père l'a envoyé vers ses frères dans les champs pour aller voir comment ils sont en train de perdre ses troupeaux. Et ses frères, saisis de jalousie, ont comploté contre lui, l'ont vendu aux Ismaélites. Et ceux-ci, à leur tour, l'ont vendu aux Égyptiens. Aux Madianites plutôt, et ceux-ci à leur tour aussi, l'ont vendu à Potiphar, qui est chef de garde du roi d'Égypte. Et puisque Joseph était intègre, et qu'il se mariait du mal, la femme de Potiphar portait ses regards sur lui, mais il a refusé. Celui qui l'a valu la prison, étant dans la prison, il est là et le roi Pharaon a envoyé
son chef panatier et le chef des échangeants aussi à la prison. Dans la suite, nous avons vu que Joseph est sorti de la prison en expliquant au roi Pharaon le songe qu'il avait eu. Ce songe qui disait que ce songe qui signifiait qu'il y aura cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Alors, le roi a pris à cœur ce songe. Le roi a pris à cœur ce qu'il a dit. Il a établi. Parce qu'il avait vu en lui un esprit supérieur. Joseph est devenu premier ministre dans un pays étranger. Alors, puisque les 7 années d'abondance sont passées, ils ont amassé le blé. Ils ont amassé le blé dans le pays d'Égypte. Et puisque la famine devait être sur toute la terre, le pays de Cana aussi a été frappé par la famine. Alors, Jacob a envoyé ses fils, les 10 autres, à part Benjamin, pour aller acheter du blé, pour aller acheter des vivres, afin qu'ils ne meurent pas de faim. Alors, ils étaient allés, pour la première fois, la deuxième fois, puisque Joseph la reconnaissait, il les a envoyés chercher leur Benjamin. Après tout ça, nous avons vu que le peuple d'Israël, c'est-à-dire Jacob et ses fils, et les femmes de ses enfants, de ses fils, et les fils de ses fils, sont tous montés en Égypte. En Égypte. Arrivés en Égypte, ils les ont bien accueillis. Et Joseph a régné là pendant bien longtemps. Pendant bien longtemps. Et le peuple croissait. Le peuple d'Israël en Égypte se multipliait. Se multipliait. Jusqu'à un moment donné. Exode 1, verset 8. Exode chapitre 1, verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Jusqu'à 14. Et l'on établit sur lui des chefs de corbeilles afin de s'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accabrait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisaient les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, un roi s'est élevé. Un roi est venu et ce roi n'a point connu Joseph. Parce que Joseph et toute sa génération, tous ceux qui étaient arrivés à l'Égypte en ce temps, étaient morts. Et avec eux, les enfants de leurs enfants. Maintenant, ce roi qui est venu,
n'a pas connu Joseph. Alors, puisque le peuple se multipliait, le roi, ils ont commencé par maltraiter les enfants d'Israël. Ils ont commencé par les confier des choses dures pour qu'ils ne se soucient même plus de d'où ils viennent. Pour qu'ils ne s'enfuient point. Alors les enfants d'Israël étaient dans les cris, étaient dans les pleurs, dans les pleurs. La Bible dit qu'on les réduisit à une dure servitude. Ils étaient en esclavage en Égypte. Et là, ils ont crié à Dieu. Mais vous devez savoir d'abord que leur passage en Égypte a été dit par Dieu lui-même à Abraham que sa postérité ira dans une nation. Elle fera 400 ans, mais il va juger cette nation qui va réduire son peuple en esclavage. Alors, puisque le temps est venu, Dieu a entendu les cris de son peuple. Dieu a vu sa souffrance. Exode 3, à partir de 7, nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, à un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alléluia! Ce peuple était en servitude. Ce peuple priait. Ils se sont rappelés de l'Éternel des armées que leurs pères les ont racontés. Alors ils ont commencé par crier à lui. Dans leur douce servitude, ils ont commencé par crier. Alors l'Éternel a entendu les cris. Et c'est apparu à Moïse. Et il dit à Moïse, je t'envoie pour que tu fasses sortir mon peuple. Pour que tu fasses sortir mon peuple. Pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un vaste pays où il va rester pour me servir. Donc l'Éternel a envoyé Moïse en Égypte. Et nous avons vu que pendant tout ce moment que Moïse était là-bas, Pharaon a refusé. Mais l'Éternel a exercé, comme il a dit, son jugement sur cette nation. Il a frappé l'Égypte par les 10 plaies. Alléluia! La dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés de tous les enfants d'Égypte. Nous allons lire Exode 12, de 29 à 36. Exode chapitre 12, verset 29 à 36. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du quartier dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez,
servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle pût lever. Ils n'enveloppa les bétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Verset 51. Et ce même jour, l'Éternel put sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Amen. Alléluia. Donc, Dieu, par sa puissance, a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et cette même nuit, ce sont les Égyptiens qui les ont pressés à sortir. Et ce même jour, ils sortirent du pays de l'esclavage. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur a délivré les enfants d'Israël, c'est de même que quand Jésus-Christ était né, l'Éternel l'a délivré de la main de Hérode. Dans Matthieu 2, à partir du verset 13, quand il a demandé hommage, quand Hérode a appris la naissance de Jésus, il était troublé. Alors, dans sa ruse, il a envoyé les mages pour leur demander s'ils vont de revenir pour leur faire connaître le lieu où Jésus est. Mais l'Éternel n'a pas permis. Et le Seigneur a libéré le Seigneur Jésus aussi de la main des Hérodes qui cherchaient à lui ôter sa vie. Et dans la suite, si nous lisons, nous allons voir que après Hérode a envoyé pour tuer tous les enfants et les enfants ont été tués. Donc le Seigneur l'a délivré comme l'a délivré les enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est très très important. C'est très très important. La délivrance. Et la grande délivrance accomplie est l'œuvre de la croix. Accomplie pour nous, c'est à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, comme toi aussi, tu criais. Oui, tu criais aussi à lui. Tu as cherché la vérité. Parce que tu étais dans la souffrance. C'est pourquoi tu la cherchais. Et Dieu t'a exaucé. Quand tu étais tourmenté par l'esprit méchant, tu as crié à lui. D'une manière ou d'une autre. Tu peux te dire que je n'ai rien fait. Mais sache que ton âme criait à lui pour la délivrance. Il disait, au secours, l'Éternel, libère-moi. Nous allons lire Exode 14, versets 13 à 17. Exode chapitre 14, versets 13 à 17. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et prends-la.
Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Ici, quand le peuple est sorti, Pharaon l'a encore poursuivi avec toute son armée. Alors, l'Éternel a dit à Moïse de dire au peuple de se taire. Il dit que ces Égyptiens, ils ne les verront plus. Il dit, Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, Moïse, lève ta verge. Étant là, étant ta main sur la mer, pas là, les enfants d'Israël entreront mieux de la mer à sec. Et moi, alléluia. Donc nous sommes en train de voir la partition de chacun dans la délivrance. Parce que, nous allons continuer. L'Éternel veut délivrer son peuple pour l'amener, pour le servir. Alors, chacun a son rôle à jouer. Dieu a son rôle à jouer. Toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Alléluia. Je veux dire quelque chose vite. Beaucoup. Puisque chacun a son part à jouer, beaucoup quand on prie pour eux, ferme leur cœur. Or, si les cœurs sont fermés, ne peuvent pas recevoir la délivrance. Même si les serviteurs prient pour eux, ils ne peuvent pas recevoir la délivrance. Tu as ta part à jouer dans ta délivrance. Donc, je disais que le Seigneur veut délivrer son peuple pour le faire passer. Donc, la délivrance est d'une grande importance. Les hommes d'Israël ont pris par la mer Rouge. Ont pris par la mer Rouge après avoir fendu la mer en deux. Il a englouti le peuple de Pharaon dans la mer Rouge. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous prie de suivre. Le peuple d'Israël, il a pris par la mer Rouge. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que tout le peuple a été baptisé en Moïse. Ils ont pris par la nuée. Par la mer Rouge qu'ils ont pris, ils ont été baptisés. Et là, quand ils ont pris par la mer Rouge, dans Exode 15, verset 22, dans Exode 15, verset 22, la parole dit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Alléluia. Donc, quand ils ont pris par la mer Rouge en même temps, ils ont entré dans le désert. Ils ont entré dans le désert. Et c'est là que nous allons lire Exode 13, 17 à 18. Le texte de base. Exode, Exode chapitre 13, verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit: le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte.
Mais Dieu peut faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge. Les enfants d'Israël montaient en âme hors du pays d'Égypte. Amen. On dit que Dieu ne le conduit point par le chemin des Philistins, du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir, envoie les gars et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin. Comme le peuple a pris par la mer, baptisé à Moïse, entré dans le désert, Dieu l'a fait passer par le désert. Dieu ne l'a pas fait passer par un autre chemin. C'est de la même manière si nous lisons Matthieu 4, verset 1. Lisez. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Juste après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Comme il l'a fait. Jean 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Quand Jésus fut baptisé, Dieu le conduit dans le désert, comme il a conduit le peuple d'Israël dans le désert, juste après le baptême. Alors nous devons savoir que la marche dans le désert commence véritablement juste après notre baptême. Et l'entrée dans le désert ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est de Dieu que ça vient. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui en est l'auteur. Exode là nous dit que Dieu ne conduit pas le chemin des Philistins, quoique c'est le plus proche. Pourquoi? Parce que sur le chemin des Philistins, il y a des forteresses là. Il y a des camps de guerre et sont tellement armés. Et c'est les Égyptiens qui sont sur ce chemin. Or, le peuple, la Bible dit que dans le verset 18, texte de base, que le peuple est monté en âme hors d'Égypte. Le peuple, bien qu'étant armé, n'a pas pris par ce chemin. Dieu n'a pas permis qu'il prenne par ce chemin. Pourquoi? Mais pour les préparer pour la guerre. Alléluia. Pour les préparer pour la guerre. Dieu ne les a pas pris par ce chemin, mais par le désert. Pour les préparer pour la guerre. Les préparer pour la guerre. Cette préparation, puisque quand le Seigneur nous a délivrés, nos dons étaient capturés par l'ennemi, mais ont été restaurés. Ces dons sont des armes avec lesquelles nous allons combattre l'ennemi. Mais si nous ne savons pas comment utiliser ces armes, comment peut-on les utiliser? Comment peut-on combattre? C'est pourquoi ce sont les enseignements qui vont nous permettre de nous préparer, de savoir manipuler ces armes. Mais quand nous parlons d'enseignement aux séances, de ces séances, des séances ne viennent pas. Et nous devons savoir que nous entrons pour le désert, dans le désert, pour préparer la guerre. Parce qu'il y a la guerre devant. Il y a la guerre devant. Et c'est aussi une chose que des gens qui ont été délivrés, parce qu'ils ne viennent pas aux enseignements, parce qu'ils ne viennent pas aux séances de prière, les esprits reviennent pour les capturer encore. Donc les enseignements jouent un rôle capital. C'est pourquoi je disais
La fois dernière, que ceux qui viennent ne s'imaginent, ne disent pas qu'ils ne gagnent rien. Mais quand ils viennent, qu'ils cherchent toujours quelque chose à gagner. Qu'ils cherchent toujours quelque chose à gagner. Alléluia. Donc le peuple est entré dans le désert. Le peuple est entré dans le désert. Mais quand nous parlons de désert, c'est quoi le désert? La marche dans le désert. Alléluia. Ne pensez pas que le désert, c'est une zone dépourvue d'humidité. Il y a pas, il y a manque de végétation, de la verdure. Si nous allons dans Jérémie 2, verset 6, nous allons voir ce qu'est un désert. Ce qu'est un désert dans Jérémie 2, verset 6. Bien-aimés, est-ce que nous suivons tous? Jérémie chapitre 2, verset 6. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'homme de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Alléluia. Le désert, c'est une terre aride, c'est-à-dire une terre sec, une terre qui n'est pas humide. Dans le désert, il y a des fosses dans le désert. Des fosses. Le désert, c'est un lieu où il n'y a que la sécheresse. La pluie ne tombe pas. C'est-à-dire, la pluie tombe très rarement. Le désert, on a dit que c'est l'ombre de la mort. Là où règne l'ombre de la mort. Et quand nous parlons de l'ombre de la mort, nous parlons des ténèbres. Donc, c'est le désert ça. Le désert sec. Il ne peut pas. Il y a des fosses dans le désert. Il y a des ténèbres dans le désert. C'est là le désert. Et c'est là que Dieu a voulu que son peuple passe. Pour aller où? Pour aller à Canaan. Pour aller à la terre promise. C'est ça le désert. Un peu un lieu inhabité. Il n'y a personne là qui vit là. Alléluia. Donc c'est ça le désert. Quand on parle aussi de la marche, c'est l'ensemble des pas réalisés pour se déplacer. Ensemble, c'est l'ensemble d'étapes nécessaires pour atteindre un but. Alléluia. Donc la marche, dans cette marche, il y a des étapes. Il faut une étape, on va arriver. Après, on va arriver à une autre étape. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour passer la mer Rouge pour Canaan, la terre promise. De même, nous aussi, le Seigneur nous a délivrés. Et s'il n'était pas encore délivré, il va te délivrer. Passer par le désert pour aller où? Dans la terre promise, pour aller dans notre cité qui est dans les cieux, dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux. Alors la marche dans le désert, c'est aussi perçu comme une course, selon ce que l'apôtre Paul dit. Il court non pas comme battant l'air. Il court pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus, cette marche, elle n'est pas une marche facile. Cette marche est difficile. C'est difficile.
Et c'est d'une étape à une autre. D'une étape à une autre. Si nous voyons le peuple d'Israël, ils ont passé par différents déserts. Dieu l'a fait passer par le désert de Shur. Dieu l'a fait passer par le désert de Sin. Dieu l'a fait passer par le désert de Sinaï et autres. Donc dans cette marche, il y aura des étapes. Et cette marche, c'est la marche chrétienne. La marche vers le ciel. Il y a des étapes dedans. Il y a des étapes dedans. Alléluia. Nous allons lire Exode 15. Verset 27. Près de 27. Exode chapitre 15, verset 27. Lisez, 27. Exode chapitre 15, verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 paliers. Ils campaient là, près de l'eau. Amen. Je vais lire à partir du 22. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Alléluia. Le peuple murmura contre Moïse en disant que voyons nous. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Après avoir pris dans le désert, arrivé à un moment, ils ont soif. Alors l'eau trouvée était amère, mais a été rendue douce. Alors les enfants d'Israël, arrivés à Élim, ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. La Bible nous dit qu'ils tempèrent là, près de l'eau. Alléluia. Mais ils n'ont pas campé près des palmiers, mais près de l'eau, près des sources d'eau. C'est-à-dire, puisque le désert, c'est un lieu de sécheresse, c'est le frappé par la chaleur. Le peuple a soif. Le peuple a soif. Ils sont campés auprès de l'eau. Et puisque c'est 12, nous savons qu'il y a les 12 tribus. Alors chaque tribu auprès d'une source d'eau. Mais ils n'ont pas cherché les premiers, bien que les premiers soient nombreux. C'est pour nous dire que ce que nous devons désirer, puisque nous entrons dans le désert, c'est l'eau. Alléluia. C'est l'eau. Ils n'ont pas pris nourriture premièrement. Peut-être qu'ils ont déjà pris la pâte levée qu'ils avaient emportée d'Égypte. Ils ont mangé ça. Alors, ils sont campés auprès de nous. Nous allons lire aussi Exode 17, verset 1 à 6. Exode chapitre 17, verset 1 à 6. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marchands que l'Éternel leur avait ordonnés. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire.
Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Alléluia. Le verset 6 nous dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Dieu s'est tenu sur le rocher. Et Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Lisons Jérémie 17, verset 13. Jérémie chapitre 17, verset 13. On devra circoncis celui qui est né dans la maison. Jérémie 17. Jérémie chapitre 17, verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Amen. Donc, les enfants d'Israël se sont campés auprès des sources d'eau. Et Dieu maintenant s'est tenu sur le rocher. Moïse a frappé et l'eau est sortie. Maintenant, nous sommes en train de voir que cette source d'eau vive, c'est l'Éternel lui-même qui était cette source d'eau. Qui, mais souvent pour mieux comprendre, l'Éternel était cette source d'eau que les enfants d'Israël avaient bu dans le désert. Et cette source, c'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, notez 1 Corinthiens 10, 4, que les enfants d'Israël, ils ont bu tous le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. L'eau qu'il buvait, c'était un breuvage spirituel. C'est pourquoi Jean 7, verset 37 à 39, lisons. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Alléluia. Donc, cette source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dans le désert, pour marcher dans le désert, puisque le désert est un lieu de sécheresse, nous devons faire comme David qui dit ceci, Psaume 63, verset 2. Quand Saül
le poursuivait et qu'il s'était allé dans le désert. Nous allons voir ce qu'il a dit. Psaume 63, verset 2. Verset 2. Psaume 63, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Alléluia. David nous dit, mon âme a soif de Dieu. Son corps soupire après lui. Dans une terre aride, dans le désert, cette terre desséchée, son âme a soif de lui. Une terre sans eau, parce qu'il est la source pour vivre. Alors, ce que nous devons chercher pour marcher dans le désert, nous devons chercher la présence de Dieu, nous devons chercher le Saint-Esprit. Parce que Jean, quel verset nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons désirer la présence de Dieu. Pour une bonne marche chrétienne, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Et veillez sur le Saint-Esprit. Veillez pour ne pas le perdre. Veillez sur le jour. Quand nous passons par le baptême, nous devons désirer le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la marche. On devons aussi le jour demander au Saint-Esprit de nous remplir encore. De nous remplir encore. De nous remplir encore. Celui qui court. Qui court, qui court, qui court. Eh bien, moi, il aura soif. Il faut qu'il boive de l'eau. Devons faire. Nous allons lire Juges 15, versets 18 à 19. Juges 15, 18 à 19. Juges chapitre 15, verset 18 à 19. Lisez à partir de... Lisez. Juges chapitre 15, verset 18 à 19. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je encore les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Ankaré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Amen. Bien-aimés, c'est l'histoire de Samson qui avait combattu contre les Philistins. Et il a battu les Philistins avec une mâchoire d'âne. Qu'elle a fini de tuer tout le monde. La Bible dit qu'il a eu soif. Il a eu vraiment soif. Il a crié à l'Éternel. Et puisqu'il y avait un rocher, l'Éternel fendit la cavité, d'où il en sortit de l'eau, Samson but. La Bible dit, son esprit se ranima et il reprit vie. Le Saint-Esprit en nous donne la vie à notre esprit. Donne la vie à notre esprit. Ça ranime. Bien-aimé, il a bu l'eau et son esprit a été ranimé. Il faut le Saint-Esprit dans la marche. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi nous faisons des fois les moments de revêtement.
le Saint-Esprit nous remplisse davantage encore. Nous remplisse davantage encore et encore. Alléluia. Nous allons continuer. Exode 16, versets 1 à 4. Exode chapitre 16, versets 1 à 4. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du roi des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire afin que je ne mette à l'épreuve et que je ne vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Verset 15. Les enfants d'Israël regardaient et ils se disaient l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moi, je leur dis, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Amen. Amen. Le peuple d'Israël dans le désert a eu faim. Et l'Éternel lui a fait pleuvoir du ciel du pain. Et c'est à cette nourriture qu'on a donné le nom de la manne. La manne était leur nourriture. Et puisque ils buvaient un breuvage spirituel, le même Corinthiens 10, verset 3 nous dit, lisez-nous vite. Corinthiens chapitre 10, verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Amen. Puisque ils ont tous bu un même breuvage, ils ont tous même mangé aussi un aliment spirituel. Et la manne était un aliment spirituel que le peuple mangeait. Que le peuple mangeait. Jean 6, 31 à 35. 6. Jean chapitre 6, verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit. C'est bon. Disait Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères,
afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc, les Juifs étaient en train de discuter avec Jésus et il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et à Jésus, je leur dis, le vrai pain, c'est moi. Le vrai pain, c'est ça qui descend du ciel. C'est celui qui donne sa vie. C'est celui qui donne sa vie. Moïse lui a donné du pain. Et ce pain est un aliment spirituel. Le verset de Deutéronome qu'on a lu nous dit que l'Éternel t'a humilié. Il t'a nourri de la manne que ne connaissait point tes pères. Qu'on ne connaissait point Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont mangé. Afin qu'ils sachent que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais qu'ils sachent que l'homme vit aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En réalité, cette manne qu'il mangeait était la parole qui sortait de la bouche de l'Éternel. Et c'est pourquoi c'est un aliment spirituel. Et cet aliment devait donner la vie. Alléluia. Donc cette manne est un aliment spirituel. Elle a parole. Elle a parole que nous avons écoutée. Que nous devons écouter. C'est la vérité. Et c'est cette parole qui est la sainte doctrine que nous avons écoutée et sur laquelle nous marchons, sur laquelle nous marchons dans le désert. Alléluia. Donc, il nous faut manger cette parole. Sa parole est la vérité. Il faut qu'on mange cette parole. Il faut qu'on soit nourri de la parole dans le désert. Nous avons besoin de ces choses pour marcher dans le désert. Pour marcher dans le désert. Nous allons lire Nombre 11, versets 4 à 8. Nombre chapitre 11, versets 4 à 8. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, que nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des oeufs. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bitnium. Le peuple se dispersait pour l'amasser. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pierre avec un mortier. Il accusait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Amen. Amen. Le peuple dit, la parole dit, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'eux. Si nous remontons, nous allons voir que quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, il y a une multitude de personnes qui les ont suivis, qui ont profité pour s'échapper de la main de Pharaon. Parce que sûrement, ils étaient aussi en servitude. Donc ceux-ci, la Bible dit, qu'ils furent saisis de jalousie, de convoitise. Et les enfants d'Israël se sont joints à eux pour murmurer, pour pleurer. Je leur dis, vous savez, tel que nous sommes, puisque
Le Seigneur nous délivre. Pour le Seigneur nous fait passer, nous passons par le baptême. De la même manière, puisque nous sommes un peuple, il y a beaucoup qui viennent, qui profitent. Oui, peut-être qu'ils accompagnent quelqu'un, ils profitent quand même de ce qu'ils écoutent. Oui, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a la vérité ici, il y a la vérité ici. Et viennent, prennent par les processus. Mais en réalité, non pas dans leur cœur. La pensée d'aller au ciel. Et ce sont ces personnes qui viennent pour troubler l'assemblée de Christ. Et si tu ne sais pas faire, ils vont te troubler aussi. Ils vont te conduire à pécher. Donc tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Non, le verset 5 nous dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Puis le peuple dans le désert, dans le désert, là où il y a l'ombre de la mort, là commence pas à se rappeler de l'Égypte. Comme toi aussi, tu te rappelles de la voie lâche. Bien dans le Seigneur Jésus, puisque c'est une marche difficile. Ils n'ont pas regardé à celui qui a voulu les faire passer par ce chemin. Mais ils se sont retournés, ils sont déjà retournés en Égypte. Les poissons qu'ils mangeaient, les choses qu'ils mangeaient, et ces choses, ce sont en réalité les enfants d'Israël. Ils n'ont pas pensé un instant qu'ils étaient dans la souffrance là-bas. Mais ils ont commencé par parler. Là-bas, nous mangeons des bonnes choses. Est-ce que Dieu ne te dit pas ça? Que quand tu étais dans la souffrance là-bas, quand ils te méprisaient là-bas, quand l'esprit te tourmentait là-bas, tu n'as pas pensé à ça. Tu n'étais même plus rappelé de ça. Mais tu dis, là-bas, on nous enseignait de bonnes choses. On nous disait ce qu'on voulait. Puis je me dis, Seigneur Jésus, le désert, ce n'est pas ça. Le désert, ce n'est pas ça. On nous disait la chimère. Ésaïe 30, verset 10. Ésaïe chapitre 30, verset 10. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Amen. Continuez. Le verset 11. Détournez-nous du chemin, écartez-nous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Amen. Alléluia. Ils se sont rappelés de ces choses. Est-ce que tu te rappelles de ces choses? Est-ce que c'est la chimère qui t'a amené des friandises? Ils disent, ne nous prophétise pas de vérité. Alors le peuple commence pas à dire ça. Là-bas, on ne lui disait pas les choses qui nous font faisaient mal. C'est les choses qu'on voulait qu'on nous disait. C'est les choses qu'on voulait qu'on nous disait.
friandise. Le verset 6 nous dit, ils ont dit, les enfants d'Israël, maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Alléluia. Nos sœurs sont déchaissées. Plus rien. Prenez le Seigneur. Plus rien. Rien que la manne. C'est une chose de trinitrice. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Pourquoi c'est toujours ça? Ne te dis pas, est-ce que tu ne te dis pas ça? Pourquoi c'est toujours ça? Pourquoi c'est toujours ça, il prêche? Pourquoi c'est toujours ça, il prêche? Cette nourriture spirituelle, un aliment spirituel. Et ils ont dit, nos âmes sont desséchées. La parole, la manne qu'ils mangeaient, avait pour but de vivifier leur âme, de donner la vie à leur âme. Mais cette parole, cette manne n'a pas accompli son œuvre. Cette manne n'a pas accompli son œuvre. Dieu dit que sa parole est esprit et vie. Dans Jean 6, verset 60. Que sa parole est esprit et vie. Alors cette parole devait leur donner la vie. Devait donner la vie à leur âme. Pourquoi ça n'a pas donné la vie à leur âme? Parce qu'ils ont rejeté. Bien qu'ils mangeaient, ils mangeaient la manne, mais ça ne leur a pas donné la vie. Est-ce ton cas? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Est-ce ton cas? Plus rien d'autre. Et c'est parce que cette parole, ils ont méprisé cette parole. Cette parole n'a pas accompli son œuvre dans leur vie. Que ça a créé la mort. Jean 6, 49. Jean 6, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. 1 Corinthiens 10, 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisque périr dans le désert. Amen. Tous ceux qui ont mangé la manne ont péri dans le désert. Ils ont crié, manne. Ils ont mangé, mais ont péri. Cette nourriture qui devait leur donner la vie. Vos pères ont mangé la manne et sont morts. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la marche, vraiment, cette parole, Hébreux 4 nous dit que la parole est une épée. Lisez. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétra jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. On a dit que c'est la parole qu'il mangeait. Et la parole que tu dois manger, étant dans le désert, cette parole est une épée. Alors, ce à quoi tu dois t'attendre désormais, c'est que quand tu écoutes la parole, tu dois t'attendre à ce que cette parole sépare
tout ce qui est impur de toi. Tout doit t'attendre dans le désert. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, dans ta marche chrétienne, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu dois t'attendre à ce que quand tu écoutes cette parole qui est une paix, pèse ton cœur pour aller au fond de ton cœur, pour déraciner les roses qui sont dans ton cœur, pour déraciner les désirs, les choses auxquelles ton cœur est attaché et qui sont contre la volonté de Dieu. C'est à ça que tu dois t'attendre. Pourquoi t'attendre au poisson, au concombre que tu mangeais quand tu étais en Égypte? Mais tu dois t'attendre à ce que la parole qui est l'épée fasse son travail. On dit que elle juge. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand on sait, puisque tu es dans le désert, et puisque tu veux aller au ciel, tu dois t'attendre à ce que la parole, les pensées de ton cœur qui sont mauvaises, tu dois t'attendre à ce que cette parole juge pour que tu puisses les abandonner. Parce que tu dois savoir que la parole, de n'importe manière que ça sort, ça va toujours parler de toi. Ça va parler de quelque chose de ta vie. Si tu es dans la tristesse et que la parole qui est une paix sorte, tu vas t'attendre à ce que cette parole te sépare de la tristesse. C'est ça ce à quoi devons nous attendre. Pas à ce que nous nous voulons. Non. Mais à ce que Dieu veut pour nous. À ce que nous devons entendre pour que ça agisse dans notre vie. Pour que la marche soit vraiment efficace. C'est à ça que nous devons nous attendre. Et nous devons nous attendre aussi, puisque cette parole est un feu, dans Jérémie 29-23, que ma parole n'est pas comme un marteau, un roc, un marteau qui brise le roc, un feu. Quand tu écoutes, même quand tu veux méditer, tu dois t'attendre à ce que cette parole qui est sur le marteau brise ton cœur de quelque chose dans la marche chrétienne. Tu dois t'attendre à ce que la parole qui est un feu consume quelque chose dans ton cœur, quelque chose qui ne va pas, qui va t'empêcher de marcher. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Un roi 19, verset 1 à 8. Un roi, chapitre 19, verset 1 à 8. Acab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bichéba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêtre et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme. » Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêtre. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange.
Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Continue, continue. C'est jusqu'à 8. L'Éternel, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Gloire à Jésus. Élie, après avoir tué les prophètes de Baal, Jézabel voulait lui ôter la vie. Alors il est parti dans le désert. Il est parti dans le désert. Il a demandé la mort à Dieu. Mais Dieu n'a pas permis la mort. Parce qu'il a encore à faire. La Bible dit qu'un ange vient avec un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et boum, puis se recoucha. L'ange a encore frappé pour dire lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. La Bible dit qu'il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il mangea 40 jours et 40 nuits. Il mangea 40 jours et 40 nuits. Ah, c'est ça. La parole que nous allons écouter et le Saint-Esprit qui va nous remplir nos vies, qui va désaltérer la soif de notre âme, va nous permettre de marcher dans le désert. De marcher. Et nous devons savoir que nous voulons aller à la montagne. La montagne de Dieu. Satan disait, je monterai à la montagne de Dieu. Et c'est sur cette montagne que nous voulons aller. Lui, il a marché avec la force qu'il lui a donné cette nourriture jusqu'à la montagne de l'Éternel. Alors, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons nous accrocher pour demander le Saint-Esprit. Veillez à ce que le Saint-Esprit demeure en nous. Parce que c'est ça qui va véritablement faciliter la marche chrétienne. Qui va faciliter la marche chrétienne. N'oubliez pas que nous sommes dans le désert. Un lieu ténébreux. Rempli de force. Rempli de force. Exode 16, 35. Exode chapitre 16, verset 35. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Je relis une fois encore. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan, qui est la terre promise. Cet aliment spirituel, qui est la parole de Dieu, c'est ça qu'ils ont mangé. Et c'est ça que nous devons manger. C'est ça que tu dois manger. Bien, tu dois savoir que cette parole, ça ne va pas changer. La sainte doctrine de Jésus ne va pas changer. C'est jusqu'à l'enlèvement qu'on va prêcher ça. C'est jusqu'à l'enlèvement qu'on va enseigner ça. La parole tue. C'est jusqu'à là-bas. On va lire Jean 6, 60. Jean 6, 60. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Continuez.
Jésus sachant en lui-même que... Après 66. Jean chapitre 6, verset 66. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été pas donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Je continue. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Amen. Donc, Jésus, il était sur terre. Il prêchait. Non pas que ce qu'il prêchait n'était pas dû. Mais des gens ont accepté. Comme il n'a pas été aussi facile pour toi d'abandonner les parures. Parce que quand on parle de ça, à l'évangélisation, les gens voient déjà que c'est dur. Mais arrivé à un moment donné, Jésus a augmenté la dureté. En réalité, la parole est dure. Mais Jésus est entré, a commencé par entrer dans la profondeur. Alors, il commençait par dire, cette parole est dure. Et ces disciples ont commencé par se retirer. Par se retirer. Bien aimé, on avait dit que cette parole dure là, c'est ça qu'on va écouter. C'est ça qu'il faut pour nous. Pour marcher, pour avoir la force pour marcher jusqu'à arriver au pays de Canaan. Jusqu'à arriver au portail du ciel. Jusqu'à être enlevé. Cette parole de Dieu-là ne va pas changer. Mais plus la marche évolue, plus ça deviendra plus dur. Alléluia. Plus nous marchons devant, nous allons devant, plus la parole sera encore plus dure. Parce que ce qu'il y a devant, la parole que nous allons écouter, qui sera encore plus dure, va nous permettre, va nous préparer à affronter ce qui sera devant. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu vas tenir? Dis à ta soeur, dis à ton frère, n'abandonne pas. Parlez-vous. Alléluia. Donc, plus la marche est brûlée, plus la parole sera encore plus dure. Et la Bible dit, le péché se sera accru. Et si le péché se sera accru, il faut que ce péché, nous devons lutter contre ce péché, contre la croissance du péché dans le peuple de Dieu. Alors, il faudra ce qu'il faut pour lutter. C'est pourquoi la parole sera encore plus dure. Et il y a la guerre devant. Alléluia. C'est pourquoi c'est nous nos reins. Quand on crie Saint-Doctrine, on n'a même pas encore arrivé à un moment, à un niveau. Et des gens ont commencé par fléchir genoux déjà. On commence pas à dire, pour vous être trop déjà. Ce n'est pas encore trop. Mais ce sera encore plus dur. Seigneur vos reins. Seigneur nos reins. Seigneur nos reins. C'est très important. C'est très important. Le Saint-Esprit.
la parole. Je n'ai pas encore fini. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Donc la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette parole que nous écoutons, quand est-ce que ce sera une lampe pour nous? Jésus dit dans Jean 8, 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi aura la lumière de la vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Le désert, lieu de l'ombre de la mort, lieu des ténèbres, lieu ténébreux. Nous savons que ce monde est rempli de ténèbres. En quel moment la parole sera la lampe pour nous? C'est que nous allons laisser cette parole dure opérer dans notre cœur, opérer dans notre esprit, opérer dans notre âme, dans notre corps. Quelle sera une lampe pour nous? Et elle va nous permettre de marcher dans le désert, d'avoir la lumière pour marcher dans les ténèbres. Parce que souvenons-nous que dans le désert, il y a des forces. Il y a des forces dans le désert. Donc, si nous n'avons pas la lumière, si nous ne laissons pas la parole agir dans notre vie, nous allons tomber dans les trous, dans les forces. Parce que force est plus profond que trou. Et cette force, c'est le péché. C'est la bassesse du péché. Dans le désert. C'est la bassesse du péché. Dans le désert. Il faut que la parole que nous écoutons, il faut que nous la laissons faire dans son travail. Pour que nous puissions avoir la lumière de la vie. Pour ne pas marcher dans les ténèbres. La marche dans le désert. Il faut la lumière. Il faut la lumière. Il faut la lumière. Et il faut aussi que nous soyons comme du feu, comme la parole dit, qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est toujours en laissant la parole agit dans notre vie. Que nous serons un feu. Pour que dans la marche, il y aura des ronces, des épines. Ce feu puisse consumer les ronces et les épines pour nous laisser le chemin. Pour qu'on puisse continuer la marche. Pour que nous puissions continuer la marche. C'est très très important. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, la marche, nous voulons aller au ciel. C'est ce que nous avons dit. Nous voulons aller au ciel. Et l'ennemi ne veut pas permettre. Il va nous faire la guerre de toutes les manières. De toutes les manières. Il va nous faire la guerre. C'est cette parole que nous allons écouter qui va nous donner comment, qui va nous dire comment manier les armes de guerre. Alléluia. Alléluia. Amen. Exode 13, verset 21 à 22. Nous sommes en train d'aller vers la fin.
Exode chapitre 13, versets 21 à 22. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Il faut que, vêtement, ce peuple, il marchait par la vue. Mais nous, puisque nous croyons en Christ, nous sommes sauvés par la foi. Il faut aussi que nous marchions par la foi. Dans la marche, la foi est d'une grande importance. Si on perd la foi, si tu perds la foi, tu ne peux pas arriver à destination. Mais il faut que tu gardes la foi. Et travailler pour que cette foi augmente. Pour que cette foi augmente davantage. Et nous devons savoir aussi que, vous voyez, ils ont dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une nuée dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc, dans la marche là, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas, je suis fatigué. C'est vrai, j'ai dit, il y a des étapes dans la marche. Le peuple d'Israël aussi, quand il partait, à un moment, il campait. Et ce campement leur permettait aussi de faire la revue de tous ceux qui étaient là, de faire le bilan de leur marche, s'ils ont évolué ou pas. Alléluia. C'est ça. Dans la marche, devons nous arrêter pour dire, où suis-je arrivé? Pouvoir prendre de là encore pour continuer la marche. Mais pas de repos. C'est jusqu'à la mort. Le chant du début nous disait, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, ce chemin. Et c'est là que c'est ça que Dieu a voulu. C'est ça que Dieu a voulu. 1 Samuel 17, verset 28. Samuel chapitre 17 verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc, ce que je veux là, c'est, ils ont parlé, tu as laissé ce peu de troupeau dans le désert. Excusez-moi, nous allons lire encore Luc 15, verset 4. Luc chapitre 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laissons les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, Jésus ici dit,
Il parle aux pharisiens parce qu'il a guéri quelqu'un. Le jour du sabbat, ils ont commencé par se lever. Donc il a dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert. Nous parlons de brebis. Les brebis qui doivent manger des herbes vertes, voilà, on les conduit dans le désert. Là, il y a la quasi disparition de la vertu. Pourquoi? C'est ça que David faisait. Pourquoi il conduisait les brebis dans le désert? Et nous sommes les brebis. C'est pourquoi il nous conduit dans le désert. Pourquoi? Parce que quand il va conduire les brebis dans un champ, dans une lieu, il y a la vertu, le troupeau ne peut pas avoir les brebis ne vont pas avoir les regards sur le berger. Mais vont se disperser de part et d'autre. Mais puisque dans le désert, c'est le berger lui qui connaît là où il va les conduire pour qu'il trouve à manger, pour qu'il trouve de l'eau à boire. Il les conduit par là-bas pour qu'il sait le regard fixé sur lui. Alléluia. Et puisque c'est le Seigneur lui-même qui nous avait entré dans le désert, conduit de part du désert, nous devons avoir le regard fixé sur lui. Dans la marche chrétienne, nos regards doivent être fixés sur Christ. Doit être fixé sur l'objectif. Et l'objectif, c'est lui. C'est de l'atteindre un jour. Et c'est lui qui nous conduit. Nous devons avoir le regard fixé sur lui. Alléluia. Nous devons avoir le regard fixé sur lui. Sur Christ, qui est le bon berger. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que chacun aussi ait une intimité avec le Seigneur dans la marche. On avait parlé de la parole qu'on doit manger. Parce que si le Seigneur interpelle ceux qui jettent leur Bible et que c'est le dimanche, ils prennent ça. De méditer aussi la parole de Dieu. De méditer aussi la parole de Dieu. Donc, ayez aussi une intimité avec le Seigneur dans la marche. Il y a aussi, nous sommes en train d'enlever la fin, Exode 14, verset 31. Exode chapitre 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Quand Dieu a délivré le peuple comme ça, qu'elle a vu ce que Dieu a fait et ce qu'il a fait par Moïse, il dit, il crut en l'Éternel et il crut en Moïse. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il faut vraiment, puisque Dieu, c'est vrai, Dieu passe quelqu'un par le désert, mais puisque il ne veut pas que nous soyons dispersés, il nous rassemble, comme il a fait pour le peuple d'Israël, et a mis Moïse devant. C'est comme ça aussi, il met aussi cet serviteur devant. Et qu'est-ce que le bruit doit faire? C'est, il faut la confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance en ce que le Seigneur a mis devant, ça veut dire qu'il peut vous conduire dans le décor. Donc la confiance y est. Il faut ça.
Parce que Dieu a bien vu Moïse. Il a mis devant. Il faut la confiance en les serviteurs aussi. Qui veulent vous conduire. Que le Seigneur a mis devant pour vous conduire vers la terre promise. C'est très important. Et la Bible dit, dans le 17, obéissez à vos conducteurs avec déférence. Et quand on parle de déférence, c'est le respect qui amène à obéir, à obéir au désir de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut l'obéissance. Quand Dieu dit au Moïse, diable, on peut faire des choses. Il faut qu'il le fasse. Le Seigneur parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, dans toutes ces choses, puisque nous marchons, nous ne devons pas plus regarder en arrière. Nous ne devons plus regarder en arrière. Mais toujours devant. Toujours devant. Parce que le but est devant. Elle dit dans Luc 9, 62. Luc chapitre 9, verset 62. Oui. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Quiconque met la main dans la charrue, quiconque entre dans le désert et qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, mais quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière. Rien n'a rien à dire. Allez, tu tournes comme ça. Tu n'es plus digne du royaume des cieux. Et c'est ce que la femme de Lot a fait. Elle a dit, ne regarde pas en arrière. Mais elle a regardé. C'est parti de sel. Nous ne devons pas regarder en arrière. Ce qui est passé là-bas, là, c'est passé. Portons-nous vers ce qui est devant. Vers ce qui est devant. Hébreux 10, 38 dit, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est ça. On ne doit pas abandonner la course. Tu ne dois pas abandonner la marche, mais tu dois continuer. Quel que soit c'est difficile ou pas. Si le chemin tu vas marcher, sur des cailloux. C'est difficile de marcher sur ça. Hein? Mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Nous devons dire comme Paul. Faire comme Paul. Dans Philippiens 3, 12 à 14. Qui dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, vous portez vers ce qui est devant. Ce qui est devant. Je dois entrer au ciel. Quelle que soit la durée de la parole, je dois tenir ferme. Je dois persévérer. Je ne dois pas faire comme les 17 disciples qui ont abandonné Jésus. À cause de la durée de la parole. Je dois persévérer. Je dois aller devant. Parce que le bruit est grand.
Donc la persévérance. Il faut la persévérance dans cette marche chrétienne. Il faut la persévérance. Hébreux 10, 35 à 36, je lis. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il faut la persévérance. Après qu'il t'ait délivré, après que tu as passé par les eaux du baptême et tu as obéi à lui, après que tu as cru en lui, il faut persévérer. Après que tu as obéi jusqu'à ce moment, là où tu es là, tu as obéi jusqu'à un moment donné, là, mais il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Matthieu 24, 13 dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, ce n'est pas arrivé à un moment donné que tu vas baisser les bras. Sachant que plus la marche continue, plus la marche est dure. Oui, la marche est dure. Plus ça augmente. Donc, on avance, plus on avance, plus la marche devient difficile. Donc, tu as tenu bon. Pour ne pas lâcher, pour ne pas baisser les bras. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu persévères jusqu'à la fin, si tu persévères dans la base chrétienne, tu vas entrer au ciel. C'est ce que le Seigneur dit. Si tu persévères dans le désert et que tu supportes, tu vas entrer au ciel. Dans la marche aussi, il faut, puisque j'ai dit l'obéissance, il faut aussi que, puisque nous sommes ensemble, que nous nous encourageons à aller devant de la marche, à persévérer dans la marche. Tu vas fortifier ta soeur, fortifier ton frère. N'abandonne pas, continue. Bientôt, on sera au ciel. Il faut que tu l'encourages à marcher et ne pas le décourager comme le font quelques-uns. Mais il faut l'encouragement pour qu'il persévère, parce que nous sommes là pour un même but, pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux. C'est alors qu'on aura la récompense. 2 Timothée 4, 7. De Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Donc il nous faut la persévérance. Bien que la marche soit difficile, lorsque nous allons persévérer jusqu'à la fin, nous allons dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai achevé ma marche chrétienne. La couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. C'est alors que Dieu va changer maintenant tout ce désert en étant. Alléluia. Esaïe, on va lire 40 d'abord. 41, verset 18. Esaïe 41, verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sous-sols au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Lisez aussi Esaïe 53, 3. 51, 3. Donc, c'est en ce moment,
Lorsque tu auras persévéré, que l'Éternel va changer tout ce désert en source d'eau, pleinement source d'eau maintenant. En pleinement source d'eau. Où nous serons devant la face de Dieu. Esaïe 51, 3. Esaïe chapitre 51, verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. L'Éden. À un Éden. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et de chant des cantiques. Amen. Et le chant des cantiques. Et le chant des cantiques, oui. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Et sa terre arrive à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. L'action de grâce et le chant des cantiques. Amen. Donc, c'est quand on aura persévéré jusqu'à la fin que l'Éternel va changer ce désert. Toute cette souffrance en Éden pour nous. C'est pourquoi Pierre ou Paul disait que cette souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire qui nous est réservée dans les cieux. Elle dit, un poids de gloire éternel nous attend. Un poids de gloire éternel nous attend. C'est pourquoi nous devons persévérer. La persévérance. Pour arriver. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. La marche dans le désert. Mais ce n'est pas encore fini. Ça continue demain. Et les autres jours. Où le Seigneur va nous encore enseigner. Bien aimé, ce que tu dois désirer maintenant, c'est l'eau. Le Saint-Esprit. La parole. Accepter la parole. Pour qu'elle soit lumière sur ton sentier. Pour qu'elle soit lumière à tes pieds, pour ne pas tomber dans le péché, qui est une fosse profonde dans le désert. Si tu tombes, ça va retarder la marche. Ça va retarder la marche si tu tombes. Imagine, tu es seul dans le désert. On a dit que le désert est un lieu inhabité. Tu es seul, tu tombes dans tout. C'est seul Dieu qui va t'être dans le vide dedans. Tu as crié. Si tu es dans un péché, tu as crié à Jésus. Pour qu'il t'en délivre. Parce que le ciel est important. Ce péché-là va te bloquer le chemin. Quand on tombe dans tout, on ne peut pas évoluer devant. Alors tu dois crier haut et fort. Il y a aussi les serviteurs là. Crier haut et fort. Pour qu'il te retire de cette fosse. Donc, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Prions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel du Tout-Puissant. Seigneur, merci. Parce que tu nous as enseigné ta parole. Tu nous as nourri de la nourriture solide, Seigneur Jésus. Je prie que cette nourriture, Seigneur, accomplisse parfaitement son œuvre dans notre vie. Seigneur, comme ça accomplit son œuvre dans la vie, Seigneur Jésus, de tes disciples qui ne te sont point retirés de toi. Je prie que ça fasse son travail dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, que ça fasse son travail dans la vie de chacun de tes enfants. Et je prie que chacun prenne à cœur ses paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Nous a pris de sa parole.